Dans l'actu aujourd'hui, la fibre optique à 50 ans en Yvelines, plus compliquée que prévu. Qu'Antiope, la régie publique chargée de la déployer dans l'agglomération, cesse son activité, du moins en direction des particuliers, faute d'avoir trouvé un accord avec les opérateurs privés. Quoi de mieux pour faire connaître ces activités que d'organiser des animations ludiques? Amnesty International a proposé ce dimanche sa marche de la liberté, l'occasion de sensibiliser aux questions des droits de l'homme. Pour finir l'année sportive sur une note de détente, les Chocs Élancourt ont organisé la deuxième édition du Disco Roller. Le point également sur leur saison, l'équipe phare termine quatrième. Bois d'Arcy fait son cinéma, le festival Mémoire d'étoiles dure jusqu'au 12 juillet. Pour sa 11e édition, le réalisateur Jean-Michel Ribe était présent ce dimanche soir à la rencontre des spectateurs. Qu'Antiope stoppe net. C'est l'annonce faite vendredi par la régie publique jusque-là chargée de déployer la fibre optique sur Saint-Quentin en Yvelines. Conséquence, les deux principaux opérateurs privés ont désormais le champ libre. Conformément à la législation, dès l'instant qu'un opérateur privé fait part de sa volonté d'installer le très haut débit sur un territoire, l'opérateur public déjà en place doit proposer un cofinancement. Selon Qu'Antiope, tous les opérateurs privés auraient refusé de cofinancer le projet, menaçant même de déployer un réseau privé parallèlement au réseau public, ce qui va à l'encontre de l'objectif de base de la régie publique. Je crois que le corps politique à Saint-Quentin ne voulait pas recommencer le même schéma que quand il y avait Numéricable, quand il y avait les opérateurs privés, qui décident de quel quartier on fait, à quel rythme on y va, quelles sont les différentes possibilités. Aujourd'hui, la volonté, c'est de pouvoir apporter à tout le monde un service et que ce soit sur l'ensemble du territoire. Faire une péréquation, que les quartiers un peu plus chers à construire, parce que ce sont des zones beaucoup plus rurales, ne soient pas pénalisés de ce fait-là et que les quartiers plus denses soient favorisés. Les deux grands opérateurs devraient avoir couvert d'ici 2020 83% des Yvelines, le reste étant assuré par le Conseil Général. A titre d'exemple, grâce à cet accord, 35% des habitants de Maurepas, ville moyennement dense, auront accès à la fibre d'ici la fin de l'année. Une révolution pour un territoire qui souffre d'un bas débit. Ce qu'on appelle le déploiement horizontal est terminé, c'est-à-dire que les adductions de fibre optique du centre-ville sont finies, les armoires du centre-ville viennent d'être posées et Orange commence le déploiement horizontal, ce qu'on appelle le déploiement vertical, c'est-à-dire commence à raccorder les immeubles. Selon la mairie, d'ici fin 2013, plus de la moitié de la ville sera couverte. Qu'Antiope poursuit son déploiement auprès des entreprises, jusqu'à présent 2 millions d'euros ont été investis pour 4000 prises installées sur la communauté d'agglomération. La régie publique a fait parvenir un courrier à la ministre déléguée chargée de l'économie numérique pour l'interpeller sur les problèmes qu'elle rencontre. De son côté, Orange attend d'avoir échangé avec Qu'Antiope pour se positionner. Lucienne Kellec est bénévole à Artisans du Monde. Elle est venue participer à une marche annuelle proposée par le groupe local d'Amnesty International, tout naturellement. Il faut faire évoluer la société. Hein. C'est très difficile de faire respecter les droits de l'homme dans le monde entier, y compris en France. Cette marche de la liberté pour sensibiliser aux actions de leur groupe local est organisée depuis les années 2005. Avec leurs t-shirts jaunes et noirs, les militants veulent faire connaître leur mouvement et offrir, disent-ils, une meilleure lisibilité. Les gens nous posent des questions que font des militants des droits de l'homme à travers nos campagnes, à travers nos villes, et se baladant. Eh bien, nous leur proposons de mener des actions avec nous, telles que les pétitions. Et parmi les pétitions que les marcheurs pouvaient signer, il y avait celle concernant deux jeunes filles mexicaines qui auraient subi des violences physiques dans leur pays. Dans ce pays, les autorités ont toujours, sont très puissantes et les forces de sécurité mènent une campagne souvent de violation des droits humains. D'autres actions sont programmées. Le 8 septembre, le groupe Saint-Quentinois participera à un festival à Maurepas et présentera une exposition concernant 12 personnes en danger dans le monde. L'antenne locale compte 12 membres actifs et 150 adhérents et sympathisants. Disco Roller organisé par les Chocs d'Élancourt au gymnase Chastanier, c'est la deuxième édition cette année qui a accueilli de nombreux visiteurs. Là, c'est la grande fête de fin d'année. C'est une manifestation qu'on avait déjà fait pour le Téléthon et qui avait bien marché. Et le maire nous a permis de recommencer, mais là, pour nous, pour le club.
et pour les adhérents, pour tous les adhérents. Ambiance garantie pour les grands et les petits, plusieurs modules vitesse ou danse sont peut-être le secret de ce succès. Je pense que c'est un événement festif qui plaît beaucoup. On a énormément de gens qui étaient venus la première fois, qui sont revenus, ce que ça leur a plu. Quant au choc, c'est le roller hockey cette fois-ci. L'équipe engagée en National 3 termine 4e sur 8 et se maintient pour l'année prochaine. Il se classe ainsi à la 33e place du championnat sur 64 équipes. Jean-Michel Ribes à Bois d'Arcy à la rencontre des spectateurs. Une soirée à l'image du festival de cinéma de la ville, Mémoire d'étoiles. On fait ce métier et on écrit que ce soit du théâtre ou du cinéma, on l'écrit pour rencontrer des gens. On ne fait pas ça pour soi. On fait ça pour partager des envies, des désirs avec des gens, les offrir aux gens. Donc c'est plutôt mieux quand on peut les rencontrer après ou avant. Alors parfois on fuit sous les pierres qu'on vous jette et parfois on est adoré par des centaines de femmes. Peut-être ce qui va arriver ce soir ici, je ne sais pas. Pour cette 11e édition, Bois d'Arcy a choisi le thème des arts et de la création. Ainsi, le film Muséo Muséba, réalisé par Jean-Michel Ribes en 2008, est à l'honneur de la programmation. La première chose, c'est de montrer qu'il y a une comédie humaine dans les musées, qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, pas uniquement pour regarder les tableaux, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de gens. Et puis la deuxième chose, c'est le film dit aussi que le meilleur environnement pour l'homme, à mon avis, c'est l'art et c'est pas la nature, et que c'est plutôt la nature qui copie l'art que le contraire. Muséo Muséba est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite et mise en scène par le réalisateur lui-même 4 ans plus tôt. À partir du moment où c'est une belle histoire, où c'est une histoire drôle, une histoire folle, finalement, qu'elle soit au théâtre ou qu'elle soit au cinéma, on peut faire des passerelles entre les deux. C'est quand c'est quelque chose qui tient de bric et de broc avec le théâtre, qu'on veut faire passer au cinéma, ça ne tiendra pas terrible. Je crois que, vous savez, le cinéma a commencé, quand ça a commencé, le cinéma, le metteur en scène dirigeait les acteurs, c'est tout comme au théâtre. C'était le décorateur qui plaçait les caméras, c'était tout ça. Donc, il y a une progression année après année de l'image qui a commencé à se définir plus, qui a commencé à signifier quelque chose, qui a commencé à remplacer les mots et les dialogues. Mais il n'empêche que les mots et les dialogues font aussi partie intégrante du cinéma. Mon rôle, ça a été de faire tous les costumes pour habiller tous les comédiens. En fait, j'avais déjà fait la pièce, donc du coup, c'était un peu plus facile comme travail, avec la distance qui est qu'au théâtre, on est un peu loin, alors que le cinéma, c'est filmé de près, donc le travail, il est un petit peu différent. À la fois homme de théâtre et de cinéma, Jean-Michel Ribes a marqué les esprits avec la série télévisée Palace, qu'il créa en 1988. Depuis 2002, il dirige la salle parisienne du Rond-Point, où ne sont programmés que des auteurs vivants. Je crois qu'on est dans les 2 ou 3 premiers théâtres de France en termes de fréquentation et que ces fameux auteurs qui n'existaient pas, on en a quand même monté 275 et que voilà, qu'hier on a fait une fête magnifique et que même le président de la République est venu nous saluer et voilà, donc c'est ce que j'ai dit hier, on est arrivé nulle part, on continue le voyage. Jean-Michel Ribes a fêté fin juin ses 10 ans de direction au Théâtre du Rond-Point en compagnie du président de la République, François Hollande. Amis de longue date, les deux hommes se sont toujours soutenus publiquement. Et c'est peut-être cette amitié qui a insufflé à Jean-Michel Ribes de nouvelles aspirations. J'ai la perspective de devenir président des États-Unis, mais je ne sais pas encore, j'y vais doucement. J'ai eu Barack au téléphone, je ne sais pas, on va voir, je ne sais pas encore comment, mais c'est probablement là que je vais aller. C'est un petit scoop que je dis à Bois d'Arcy, mais c'est quand même vers là que je vais, quoi.